Viens m'aider à déballer ce truc là. Fais-le tout seul. Mais je vais pas le faire tout seul. Il y a écrit qu'il faut être deux pour monter cet enculé de meuble. Donc il faut être deux, regarde. Il y a un bonhomme là qui est tout seul sur le mode d'emploi, comme un connard avec un tournevis à la main. Il y a une croix dessus. Et là il y a un couple. Il y a un couple avec un smiley à côté. Un smiley géant. Ça veut dire qu'il faut être deux. Vas-y là. Je suis dégoûté, putain, on achète un seul meuble, il faut que ce soit même pour la télé. Mais on va la mettre où sinon? On va la mettre par terre. On va s'asseoir sur une natte. Arrête avec ça, viens m'aider, on va mettre les trucs là et les vis. On va mettre les trucs là. On prend une boîte d'œufs. De quoi? On prend une boîte d'œufs, on enlève les œufs et on garde la boîte et comme ça fait des compartiments pour ranger les vis. Mais n'importe quoi, sans déconner. Mais t'as vu la taille des vis? Mais on peut mettre des petits trucs en bois là. S'il te plaît, Rachida. Arrête de me prendre la tête avec les boîtes d'œufs là. C'est peut-être comme ça qu'on fait en Algérie. Mais je te jure, les Suédois, ils s'assoient en tailleur. Ils font comme c'est écrit sur le plan. Et je peux te dire, ils ont une économie qui tient la route, putain. Aide-moi là. Prends le machin. Prends le machin, merde. Tu vas te calmer, oui. Mets-le hop là. Tout t'as vu ça? Tout t'as vu ça? Pas d'aimer le bois. Mais y'a pas écrit couverture. Si, regarde, place ta. Mets-le hop là, putain. Force pas. Force pas. Force pas du tout, putain. Enculé de meuf de merde. Quoi cette merde de pesta bourse là, c'est 250 euros, c'est déjà pété. C'est des Chinois déguisés en Suédois qui font ça sans déconner. C'est nul ce que tu fais en fait. Je vais le réparer, t'inquiète.